Et salut à tous! Ici c'est Music Box et j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir ensemble en live pour la suite de Dark Souls 2. Et cette fois-ci, nous allons pénétrer dans ce qu'on peut appeler les enfers, je pense, vu la tonne de lave qui se traîne là-bas. Souvenez-vous. Attendez, par où c'est? Ça doit être par là. Voilà, le feu lointain, tout ça. Alors, eh bien, une nouvelle zone que nous allons découvrir aujourd'hui, hein. Je ne sais pas moi personnellement ce qui nous attend. Vous, vous le savez peut-être, mais je vous encourage bien entendu à ne pas spoiler. Il y a un truc de merde là-bas, mais je ne pourrais pas le récupérer pour l'instant, malheureusement. Et il me semble que je l'avais récupéré et tout. Ça ne l'a peut-être pas sauvegardé. On va savoir, on va savoir. Alors. Très cher. Ici, résignation. Gauche, feu droit devant, ça ok, on a vu. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ici, il n'y a rien. Si ce n'est des puits de lave. Mon dieu, cet endroit ne m'inspire pas confiance. Oh my god, qu'est-ce que c'est que ça? Il a l'air d'avoir... Ok, il y a un genre de chevalier de merde. Ok, il inflige le saignement en plus, ce bâtard. Ils sont rapides comme l'éclair, hein. C'est assez fou. Ils font très peu de... Oui, c'est bien, t'inflige saignement, mon bâtard. Oh, il est pas... Oh, les enfoiros. Tiens, crève. Oh. Voilà, on va utiliser notre range à notre avantage. On peut descendre ou on peut aller tout droit. Peut-être qu'il nous faudra une clé et on ne pourra pas rentrer ici tout de suite. Si, on peut, on peut. C'est la merde. Il y a des grosses flammes, je ne sais pas ce que c'est. D'accord, ici en fait il n'y a rien parce que c'est rempli de lave pour l'instant. Peut-être que plus tard ça sera plus rempli de lave. Ça je n'en chiffre rien mais... Ok, on est obligé d'aller devant nous. Il a l'air d'avoir de secrets. Bien, allons-y, rentrons. Alors comme d'hab j'ai la lumière dans la gueule hein, donc je ne vois pas toujours tout. C'est pour le... Oh là là. Oh là là, out of range mes amis. Je crois que je vais vraiment créer une émote pour ce truc hein. Pour les pertes de signal comme ça. Ah mais c'est vraiment, ça reste vraiment out of range, c'est pas croyable. Non, je ne vais pas faire le DLC parce que pour l'instant j'ai déjà bien assez à faire avec le jeu avant d'avoir envie d'acheter les DLC et que voilà, hein, que je n'ai pas investi dedans pour l'instant de toute façon donc voilà. Qu'est-ce que c'est que ces flammes bizarres là? Ça va me péter la gueule, croyez. Merde. Ok, on va se rapprocher de l'ennemi, tout ça pour le défoncer plus facilement, on va dire. J'ai vraiment plus de gemme de vie, j'ai rien, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Wouah, l'enfoiré! Je l'avais pas vu venir, lui. Le problème, c'est qu'ils sont très coriaces. No! Please! Un dernier coup, voilà. Tant pis, on va utiliser une astuce. C'est la vie. Merde, je vais pas pouvoir récupérer ce truc. Il faut que j'arrête le feu là. Je trouve un. Il y a un truc là au-dessus aussi. Il faut que je trouve un bouton ou quelque chose à activer.
me disent. Marche droit devant et donc avant. Ça veut rien dire. J'ai vu quelqu'un avec une lance dans mon dos là, non? Ah non, putain, c'était un... C'était une saloperie de... Heureusement que je l'ai trichote. C'est une saloperie de fantôme. Putain, j'y vois rien du tout avec la lumière dans la gueule. Si nous avons des urnes remplies de quoi? On ne sait pas, d'eau apparemment. Ok, pierre de saut de pharaon, ça c'est toujours sympa. Ah, et j'ai trouvé un secret, je me disais, il y avait un truc pas commun avec ce petit renfoncement. Illusion droit devant, encore? Du foutage de gueule, c'est par là-bas qu'il y a l'illusion. Ah, je sais ce qu'il faut faire. Alors, flèche de feu, ok, ça c'est nice aussi. Irrésistible. Bah bien sûr qu'on va l'utiliser. Ok, ça y est, j'ai dû d'abord ouvrir ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Ouais, il y a quelque chose qui s'est pris des dommages. Ah, il était là. Ah, mais il y a des enfoirés juste en dessous, en fait. No! No! Voilà. Comme ça, c'est mieux. Il va un peu labourin, mais ça fonctionne. Hein. Bonsoir, Trial. Bon, lumière, hurrah. Très bien, très bien. Il n'y a pas de lumière ici. Si vous voulez mon avis. Alors là, qu'est-ce que c'est? Ça mène où, ça? Ah, ça, c'est de là d'où j'aurais dû venir, hein, normalement. Donc, j'ai débloqué un petit passage qui m'emmène ici. Mais... je sais pas trop à quoi ça m'a servi ça, si ce n'est pousser un mec avec la baliste. Sinon je vois pas trop. Hein. Alors par contre j'ai pas trouvé de moyen d'arrêter le feu ici. Je pense que ça fait très mal. Et malheureusement j'ai peur de crever si je me rentre dedans. Pas pour l'objet quoi. Oh mais non, mais putain, what the fuck, je voyais même pas que ça retirait ma vie, ça faisait rien. Ils sont sérieux. Y'a même pas la manette qui vibre, rien. Oh là là, n'importe quoi. Ok, il doit y avoir un moyen de retirer ce feu. C'était assez pourri, hein. C'était assez pourri. Ok, gros bug de vidéo encore, je sais pas ce qui se passe. En ce moment, je sais pas ce qu'elle a ma play, à chaque fois que je stream en même temps, ça fait de la merde. Sinon, quand je joue comme ça, ça me pose pas de soucis. Mais dès que je stream, ça fout la merde, hein, la carte de capture. Hein. Bon, du coup, heureusement, c'est juste en face. Ça posera pas trop de soucis. D'où il s'est pas pris le coup, lui, je lui ai tiré dessus, mais en plein dedans, quoi. Je lui ai tapé en plein dedans. What the heck? Ça n'y a rien comprendre. Oh.
Il y a lui. J'aurais bien... voilà. Envoyer une petite pyromancie, gratuit. Ça lui fait vraiment pas mal en plus. Faut vraiment pas que je m'y prenne comme ça, ils sont beaucoup plus rapides que moi. On va repasser par notre passage secret. Ça avait l'air de bien fonctionner, donc pourquoi pas. Allez, un petit coup par l'arrière. C'est toutes mes astuces, mais... Alors, cet endroit, oui, d'accord, mais... Il n'y avait pas un autre truc qu'on avait pu... y mettre débloqué. Non, si ce n'est que j'ai rechopé des flèches de feu, ok. Merde, putain, ça... J'ai du lag dans les inputs. Impressionnant, bon. Faudrait que je trouve comment choper cet objet au début. Moi ce qui m'emmerde c'est que les gemmes de vie là... On en a plus beaucoup hein. What? Oh là oh là oh là oh là, qu'est-ce qui se passe? On me tire des grosses flèches de ouf. Je ne sais trop où. Ah il est là l'enfoiré. Attendez. Alors ça, ça mérite d'équiper notre arc. Il va falloir vraiment que je me débarrasse de pas mal de trucs. Voilà, toi tu vas te prendre ça dans ta face. Crève. Voilà. Ça, c'est ça qu'on veut. Il y en a d'autres là-bas, hein. Il y en a d'autres. Mais celui-là, il est pas... Celui-là, il a l'épée. Ok, merde, il va descendre, du coup. Oh, fuck. Oh, fuck. Fuck! Fuck! Il faut que je puisse sortir d'ici. Mais ça lag à mort! Il va trop vite. Oh my god. Ok. C'est bon. Quel bordel. Ah bah il est là, il est là. Bouge pas mon salaud. Ah tiens, je me pose une question parce que je suis pas allé voir tout en bas, tout au fond en bas en tout cas. Avant d'aller m'aventurer trop loin. Ah mais... Regardez-moi ça comme ça lag. Là j'appuie à gauche et mon personnage se tourne une demi-seconde après. C'est fou. Ça lag à mort.
Ah, il y a quelqu'un d'intéressant par ici, un marchand. What? Who are you? Who, me? What? Lui il vend pas mal de sorts, c'est vrai. Des sorts intéressants, mais que je ne peux pas spécialement acheter maintenant. Il vend la tenue du bouffon, qui est sans doute très intéressante aussi, mais... Un anneau de résistance aux malédictions. Est-ce que ça peut être intéressant? Oui, ça peut être intéressant. Ils vendent des âmes... Récup de constitution... Là, c'est des objets qu'on peut acheter pour poser par terre, pour faire des bruits, je crois. Pas d'autres sorts. Achetons-lui ça, hein. Tant qu'à faire. Cheers. Salut Blood. Non mais le Out of Range, c'est tout sauf une excuse de sac, hein. Aguet, oups. Je me suis un peu cassé la goule. Non, mais ça loupe. Ah bah lui il s'enfuit carrément, lui il fait pas de... Oh fuck. Je prends assez cher quand même, hein. Putain, mais c'est quoi ces fantômes là? C'est quoi ces fantômes? Tireur à l'arc ici. Est-ce qu'il va descendre? Non, il veut pas descendre. Oh, attendez, il y a une échelle par là. Il y a une foutue échelle. On peut pas la prendre en plein milieu. Faut la prendre depuis en bas. On peut pas monter dessus là. Oh, mais il y a encore un out of range, c'est pas possible! Oh là là, à chaque fois que je joue à ce putain de jeu, je perds le signal. Hein. Vous perdez pas le signal, moi je perds le signal. C'est assez incompréhensible. Ah mais il me touche là. Du coup je me décale un peu plus comme ça. En plus c'est qu'ils font mal quoi. C'est qu'ils font mal. Ok. Tout va bien. Je suis intrigué tout de même par cette échelle. J'ai peur de crever en tombant en fait. Vous voyez, donc peut-être qu'il faut que je passe là, je fasse le tour, j'arrive à descendre, je ne sais pas. J'ai pas envie de crever. God. Ça t'a fait du bien, un petit one shot toi. Est-ce que je pourrais activer ce bouton s'il vous plaît, merci. Ce levier. Qu'est-ce que ça m'a activé là? Les jambières de chevalier. Ah peut-être que là il y a un secret.
samedi ici. Tire d'élite, ça oui, ça j'avais compris. Non mais il y a des grosses... Putain. En fait, il fallait pas tirer sur le truc, quoi. GG. Oh, j'arrive pas à me placer devant le... Mais c'est pas possible. Pourquoi je peux pas tirer dessus? Il est bloqué maintenant? Non, vous êtes pas sérieux là. Vous n'êtes pas sérieux. Il me dit sur le message. Oubliez ça en bref mort. Mort droit devant, ok, très bien. Mais c'est de la merde! Par ici. Pas par ici. Y'a rien en bas. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie, quoi? Je peux traverser nulle part, je peux rien faire. Je dois revenir en arrière, peut-être? Équipement, est-ce que j'ai l'anneau de chat? Non, j'ai pas l'anneau de chat. Écoutez, on va tenter de descendre, comme ça. Avec un peu de chance, on prendra pas de dommages, voilà. Bonsoir Armani, comment vas-tu? Attendez, là il y a un... Est-ce que c'est un piège? J'espère que c'est pas un piège. Pas de piège, très bien. Anneau de vie plus 1. J'ai eu un anneau de vie et je sais pas quoi. Ce message, beau travail, c'est bien, c'est bien. Et je vais où maintenant? Tout ce que je viens de faire n'a servi à rien en fait, juste activer un switch pourri. Voilà. Je peux revenir en arrière maintenant. Oh, mais out of range encore, mais c'est pas croyable. Je suis désolé, hein, mais c'est la merde, je perds le signal à chaque fois. De l'image, c'est impressionnant. Alors attendez. Ah, mais je viens d'activer un pont en fait, j'ai l'impression. Si je peux descendre là. Mon dieu. Bon, mais je veux voir ce qui se passe ici en fait. Je pense qu'on doit pouvoir arrêter les flammes. Pas du tout ce que c'est activé. Mais non, mais j'ai encore un out of range. Allô, ça n'arrête plus. Ok, je suis en train de me faire tirer dessus ou je sais pas quoi. Ah, il est là. Il est là, le fils de sa mère. Mais si je descends là, je peux plus aller nulle part. Là. Qu'est-ce que je fais après? Je peux pas tomber par terre, s'il te plaît. Qu'est-ce qui vient branler là? Ah bah voilà, maintenant tu vas pouvoir t'approcher mon salaud. Mais attendez, là c'est pas possible. Hein. Ça n'arrête pas.
Ça n'arrête pas de perdre du signal. C'est en d'être en surchauffe totale, je ne sais pas. Je peux revenir en arrière maintenant, le problème c'est que je peux plus revenir en arrière. Je ne peux plus. Et admettons que j'active ce truc là. Ça me réactive le feu. Vous espérez que non. Waouh, je manque de tomber tout ça à cause du lag. Hein. Alors, ok, ici il n'y a plus rien. Prends vraiment titanite, toi de dragon pétrifié, c'est des gros objets très utiles. Ah, et là j'ai débloqué un passage, ok. Nice. Du coup, est-ce que je repasse par en haut? En bas, ça m'a l'air mort, il y a trop de lave. Par en haut, je peux pas faire grand-chose. Il faudrait que je puisse faire le tour et arriver là. Pour ça, il faut que je remonte sur le pont en fait. Du coup, pas le choix, on doit descendre, refaire le tour. Voilà, voilà. Je l'avais dit, ça lag et je tombe dans le truc parce que ça me fait des mauvais mouvements. C'est pourri. Je suis mort pour rien là. Je suis mort pour rien, ça dégoûte. Oh putain, je dois me retaper tout le chemin maintenant. Non mais que vous vous rendiez compte en fait du délai, hein, je vais juste vous montrer. Je vais vous dire quand j'appuie sur droite et vous allez voir quand mon personnage va tourner. Top. Et... regardez, je fais top. Et là il se retourne juste après, vous voyez. Donc il y a vraiment un petit décalage de... peut-être pas une demi-seconde, mais presque. Et c'est très horrible. Oh putain. Je passe ma garde au bon moment, moi. Ça, c'était pas mal. Hein. Ah, bon Dieu. C'est même pas un fail, c'est juste de la merde. Katana. Ah, j'ai chopé carrément le katana, quoi. Attention. Ah oui, d'accord, ok. Alors ça fait trop de la merde, mais GG, quoi. Je fais trop pas les dommages escomptés et ça fait n'importe quoi. Touche-le, voilà, comme ça. Ok, ça fait dans le vent, mais c'est n'importe quoi. Je suis en face de lui et pourtant ça le touche pas à la remontée. Expliquez-moi la logique, hein. Expliquez-moi la foutue logique. Mais regardez, quand c'est dans les escaliers, ça touche pas à la remontée, la hitbox elle est trop mal foutue. Oh, calmos. Le problème c'est que là il va y avoir des tireurs d'élite partout, ça va me casser les couilles hein. Je suis obligé de m'occuper des tireurs d'élite à la con.
Putain, mais j'avais tout fait avant, donc je vais tout me retaper, ça va être génial. Ça va être sublime. Ah maintenant j'ai perdu toutes mes âmes aussi que j'avais accumulées sur tous les ennemis. C'est beau, c'est beau, c'est beau la vie. Ouais, mon PC il a du mal avec Dark Souls parce que j'enregistre en même temps que je live, au lieu de simplement liver en fait, et du coup ça doit faire surchauffer des trucs, la carte d'acquisition ou je sais quoi. Je perds le signal. On s'en fiche rien mais... Du coup ce sera pratique quand j'aurai la fibre, je pourrai directement streamer en 720p et faire les rediffs comme ça. Attends, ils sont tout pourris ces chevaliers là. Ah mais pourquoi ça touche pas? Mon dieu. Ils sont en face de moi et l'épée ne touche pas au retour. Le coup puissant de cette arme il est vraiment dégueulasse, il est tout pourri. C'est vraiment de la grosse daube. Du coup je vais devoir me retaper les tireurs d'élite à l'arc, ça va être quelque chose aussi. Voilà, au moins ce coup il touche quoi, que tu sois en haut ou en bas ou peu importe. Bon il vient, voilà. On t'attendait mon cher ami. Ah et depuis quand l'autre il est venu directement armé comme ça? D'habitude il a son arc et tout, mais là non. YOLO quoi, alors équipement. Alors où es-tu mon salaud? Heureusement je vais être obligé de reculer. Faire attention de ne pas tomber dans le trou. Ah bah là j'ai l'angle parfait parce qu'il peut pas me voir donc... Très bien. Voilà. L'autre sur le pont, on va pas le toucher tout de suite. Allez, à nous deux maintenant. Pourquoi tu veux pas attaquer? Si, ça y est. J'ai enfin décidé. Qu'est-ce qu'il a lui, son épée? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce gros sac avec son épée? Waouh! Alors j'espère qu'il n'y a pas un boss derrière, enfin quoique, il m'y a réussi. Apparemment il y a un boss en face, hein. Il disait demi redoutable droit devant. Spectre nécessaire droit devant. Quoi spectre nécessaire? Alors j'ai pas envie de tenter le saut, honnêtement, je vous le dis tout de suite.
Un jour peut-être, mais pas maintenant. Là, ici, j'ai envie d'utiliser une humanité. Et on va y aller comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh my god. Waouh. What the fuck? Oh mon dieu! La distance a l'air de bien marcher contre lui. Il faut être rapide contre lui, il faut être rapide. Il va falloir lui tourner autour aussi, ça doit bien marcher. Mais il a l'air violent ce boss, il a l'air très violent. Moins easy que d'autres. Hein. Il a beaucoup de range aussi. Effectivement, c'est la première fois que je fais Dark Souls 2. Alors, c'est pas du tout ça que je veux faire, je suis en train de faire n'importe quoi. Je peux summon un monsieur méchant ici apparemment. Salon. Ah putain, mais il a le temps de te toucher quoi. Sérieux. On va avoir un petit problème avec ce boss parce que je suis pas vraiment rapide. Je ne ferai pas mon stuff avec l'espadon quoi. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait avec la main là? Je lui ai jamais demandé d'attaquer avec le... Je lui ai jamais demandé de faire ça, j'ai jamais appuyé sur L2. Qu'est-ce que c'est que cette sombre histoire? Il se passe des choses pas commodes ici. Ah, il fait des trucs pas commodes hein. Mon perso là. Ah, je joue vraiment comme un bourrin. Non, c'est vrai que j'ai des lag input assez violents en fait. De par la capture qui doit laguer en fait. Vu que j'enregistre en même temps et je stream en même temps, du coup je dois avoir un léger lag de transmission d'image malheureusement. Mais ça utilise tellement d'endurance ce putain de d'arc.
Putain, voilà, tombe dans la lave, salaud. Bah non, il est même pas tombé dans la lave. Il va pouvoir remonter. Genre, c'est quoi qui m'a touché là? Me dites pas que c'est un archer ou quelque chose. Oh mais what the fuck? Mais c'est qui me touche? What the fuck? Y'avait jamais un mec qui me touchait ici avant? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, c'est la merde, mes chers amis, c'est la merde. Mais oui, mais il est à l'autre bout, il est pas censé pouvoir me toucher d'ici. Normalement, il fait pas chier à cet endroit. Sur le pont, il m'a pas fait chier tout à l'heure. What the fuck? Putain, l'espadon, ça a de la range et tout, mais qu'est-ce que c'est horrible pour pouvoir faire des esquives juste après ou attaquer vite. Et là, mon perso, il fait nimble. Putain, j'étais vraiment mieux avec mon épée de Heidi, hein. Même si ça faisait moins mal, c'était 10 fois mieux, quoi. En plus, je suis sûr que le boss, il est résistant au feu, en fait. Donc si je prends cet espadon qui donne des dégâts de feu, ça va pas être terrible. Attendez, on va tester quelque chose. Voilà, ça fait un peu moins mal malheureusement, mais au moins ce sera pratique pour être un peu plus rapide. Ah, ça fait tout aussi mal en plus, c'est ça le pire. Contre eux, ça fait tout aussi mal, c'est juste que ça ne les stoppe pas en fait. C'est tellement 10 fois mieux, en fait. On n'a pas la range, mais contre un boss, on s'en fout. Oui, j'ai aussi besoin de 3 coups pour les buter, donc au final... Oh, please! Si je m'équipe l'arc en plus ici, je passe qu'à 54. J'ai plus que 8 flèches. Non. Pas plus que 8 flèches quand même. Oh, 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 qu'est-ce que je fais là? Bon, l'espadon sera meilleur quand je l'aurai amélioré, mais pour l'instant, je n'ai pas ce qu'il me faut.
C'est lui là-bas qui fait chier en fait. Fucking pseudo-boss. T'auras pas le temps de la sortir ton épée de merde, bâtard. Héhé. C'est beaucoup mieux quand même quand je suis un peu plus rapide comme ça. Oh, des fois eux ils sont aussi très rapides, vous savez pas pourquoi. Ok, j'ai 7 astuces, ça c'est bien, mais par contre. J'ai peur, hein. J'ai peur face au boss. Il retire beaucoup, beaucoup de vie. Bon, on va quand même tenter. Parti. Je suis dans ton dos, enfoiré. Oh genre! Mais bien sûr, mais bien sûr. C'est pas tout à fait. Mais comment il peut me toucher de là, quoi? Oh oh oh, ça pue la merde ça. Je sais pas ce qu'il a fait. J'ai l'impression qu'il me brûle quand je suis à côté de lui. Oh sérieux, il m'a eu avec son combo, bordel. C'est quand même mieux passé que tout à l'heure. Mais je commence à capter un peu le pattern. Moi, il y en a un qui m'emmerde en fait, c'est tireur d'élite que je suis à chaque fois obligé de me faire à l'arc, qui fait un peu chier. Bonne vieille épée de HD améliorée, elle fait quand même le taf. Hein. En plus, je vais encaisser les quelques coups ici. J'ai envie d'aller un peu plus vite, quitte à perdre une issue, c'est pas grave. Bah, le problème, c'est qu'il y a un mec qui garde la porte en fait. Et que pendant ce temps je peux me faire tirer par un autre mec dans le dos. Donc non, je peux pas vraiment rusher. Malheureusement. On peut essayer mais ça ne portera pas vraiment ses fruits je pense. Je pense que c'est une très mauvaise idée en vérité. Plus de donner des chances supplémentaires de crever. Nawak! Je contrôlais plus mon perso, quoi! Oh my god!
Donc si, c'est tout à fait possible d'essayer de passer tous les mecs, mais ça sert un peu à rien. C'est un peu l'idée de merde. Je veux mon avis. Surtout ici. Crèvez tous. Voilà. J'y vais à la bourrin, je m'en fous. Là où elle est intéressante, la petite épée, c'est qu'elle fait tout aussi mal, surtout contre un boss qui est résistant au feu, je pense, mais qu'elle, justement, du coup, elle utilise moins d'endurance, donc c'est plus facile à ce niveau-là. What? Mais qu'est-ce qu'il branle là, lui? Oh my god, what the fuck? Eh, mais il se passe des trucs que j'ai jamais vus, hein. C'est incroyable. Y aurait-il un endroit où je serais safe par rapport à cette saloperie qui me tire dessus derrière, là? Ici, apparemment. Ah, je suis safe. Oh, fuck you. Please, merci. What the heck? Oh mon dieu! C'est grave la double, hein. Pas se faire le mec en haut. On va courir juste. Et là, il devrait pas pouvoir nous toucher. Oui, on va attendre qu'il nous tire dessus à l'arc. Mais oui, toi, vas-y, touche-moi encore plus. C'est la fête. J'ai un truc de résistance au feu. Non, c'est fiche, je crois rien. Ok, bon. C'est l'heure du duel. Mes chers amis, c'est l'heure du duel. On est chaud, on est bouillant. Il fait son truc pourri. Oh
On va rester à distance en fait. C'est ça la clé du boss. C'est attendre qu'il fasse ce truc pourri et on peut le... à sauter dans, en l'air là. Ah, c'est ça qu'il faut attendre qu'il fasse. Là, après, on peut un petit peu le faire chier. Qu'est-ce qu'il fait? Il se transperce le ventre et il met de l'épée sur son... du feu sur son épée. Ok. Nice, merci, mec. What the fuck is that shit, quoi? Please! What the fuck? Ils sont sérieux avec ce boss? Est-ce qu'ils sont vraiment sérieux? Il me faut un autre bouclier. Il me faut un bouclier anti-feu. Oh les bâtards! Déjà ça, on va le retirer. Un bouclier qui résiste à 100 au feu. Trop but de se mettre ça en fait. 90 mais là il y a 70 seulement. On adore se mettre ça comme bouclier en fait. Pas trop le choix, hein. Je pense que ça devrait le faire. Les rape les pauvres. Ce boss de la misère, il est juste abusé ce boss quoi. Il a une range pas croyable. Pas mal de trucs assez cheatés sur lui en fait. Oh please! Oh mais bien sûr il m'a touché l'autre alors que je courais quoi, mais normal, allez. Trop la fête. Il a pas pris ma flèche. What the fuck? Mais c'est des flèches de feu, c'est même pas des flèches de base. Tu
peux pas aller plus loin. Tu serais handicapé par hasard. Ok. Putain. Pour voir ma fiole d'escus. C'est que après un certain temps en fait qu'il se... Ouah. Zéro dommage, what the fuck. Ah, j'avais oublié ça, putain. Je suis con. Bon, en tout cas, maintenant, je peux parer ses coups. Mais vas-y, fais une attaque en l'air ou je peux pas que je puisse me soigner quoi. Mais d'où il m'a touché jusque là? What the fuck? What the fuck? Sérieux. Bon, en tout cas, le shield il marche. Ça c'est cool. Mais après. Après voilà quoi. Ce boss est tellement optionnel. En plus il est optionnel, bah, il va falloir m'expliquer comment parce que moi j'ai pas vu d'autres endroits où je peux aller battre un autre boss ici. Hein.
Oh god. Merde. Cours. Hey, salut toi. Putain, j'ai failli me planter. Ok, le mec trop rapide. Il n'a rien pu faire. Ça fait tellement de la merde avec le joystick. Je sais pas comment je vais faire avec ce putain de boss quoi. Tire une flèche. Oh non. Non. What? Mon dieu. Je vais rage quit ce jeu, c'est pas possible. Mort rien que sur l'épisode d'aujourd'hui. On est bien parti, mes chers amis. Ça va être un épisode coupé en trois, celui-là. La musique va au bout et tu peux passer le boss, mais tu rates un feu. Mais je compte pas passer le boss, j'aimerais bien arriver à le battre, en fait, mais... pas beaucoup de chance, en fait. Ou alors, faudrait que je puisse invoquer quelqu'un. Est-ce que vous croyez qu'on peut essayer d'invoquer quelqu'un? On peut tenter, hein, ça pourrait être cool. On va voir. J'essaie de summon quelqu'un, peut-être quelqu'un qui devrait venir. Y a-t-il d'autres signes quelque part? Là-bas en bas, il y en a un aussi. On va faire un joyeux gangbang. Alors, je sais pas combien de temps ça va mettre hein, pour qu'ils viennent, malheureusement. Et l'autre, il devrait arriver aussi. Bon, de toute façon, il devrait pouvoir venir. C'est bon, on va avancer déjà. Il y a l'ombre de l'autre qui est là-bas. Voilà. Oh, le pauvre mystical gnome, il est en train de se faire péter le cul. Malheureusement. Oh, ils le font trop bouger. Il y va un petit peu à l'arrache. Hein. Il y va en mode bourrin.
Don't die, please. Mais non, mais il est trop nul, lui. Il va comme un bourrin, il connaît rien de la zone. Ah, c'est vraiment une grosse teub, le type, hein. Qui? Lethal Bankai. Allez, on va se faire une belle joie d'invoquer plein de monde. Il veut même pas faire un... Non, il s'en fout. Lui, il est en mode bourrin. Ah, you motherfucker. Je sais pas s'ils sont courants qu'ils prennent méga cher, en fait. Pour le boss. Moi je peux le tanker. Là il prend trop pas de dommages quoi. J'ai l'impression qu'il sache exactement à quoi s'attendre. Je vais devoir le tanker là. Mais ils sont cons! Ils connaissent rien à ce boss! Putain, ils sont moisis du cul, mes spectres! Fuck, je suis mort. Oh, mais ils sont trop nuls. Ils sont 10 fois pires que moi. Ils se prennent des coups qui sont connus, quoi. Je sais même pas comment ils... Wow. Ils connaissent même pas le pattern du boss. S'il vous plaît. Oh, ils étaient mauvais. Ils puaient la merde. Je ne suis pas roux sur ce stream. Arrêtez de raconter des conneries. Sérieux, ils sont moisis. J'ai utilisé toutes mes... Ah, oh, fais chier.
peux utiliser toutes mes effigies. Voilà, Jürgen Killer, peut-être qu'il saura faire quelque chose, lui. La marque d'invocation a disparu, mais vous êtes sérieux? Nuka-Cola Find, ça c'est pas mal ça. Mais non, mais elles disparaissent toutes, les marques d'invocation! Je veux pas invoquer un méchant, ça c'est clair et net. Oh, please! Ok, il m'a défoncé, il m'a défoncé. Allez, s'il vous plaît, là, mettez-moi des vraies marques de spectre. Pas invoquer des méchants. Y a pas une putain de marque à l'horizon, quoi. Je me suis tapé les pires boulets. L'épisode qui dort déjà depuis 1h30. Je crois que pour ceux qui regarderont la rediff sur YouTube, l'épisode va s'arrêter là. Hein. Je vous garantis pas, mais il y a des chances qu'il soit coupé là. Donc si jamais c'est coupé, je vous dis quand même au revoir. Et sinon, bah non, mais il y a des grandes chances. Hein. Éviter de faire un épisode de 2h. Ah, Jürgen se fait invoquer. Sont un peu glandus quand même hein, ces spectres. Sinon j'irai moi-même aider quelqu'un en fait et voilà. Ça retarde un peu mon let's play qui se passe pas tout à fait comme prévu. Bonsoir Los Snow. Ah, une deuxième marque. Albo ZZZ. Quelqu'un s'est déjà servi de la marque d'invocation. Ça met longtemps à invoquer quelqu'un quand même, c'est horrible. Ça me fait rire parce que la coopération dans ce jeu est vraiment sympa. On peut pas discuter entre nous, mais on ressent, vous voyez, les genres d'émotions comme ça. Ah, il est sorcier en plus, c'est bon ça. Il est putain de sorcier, donc je vais pouvoir tanker, il va balancer des spells. C'est beau la vie. Là on a peut-être une chance. Ah putain, il lui fait super mal en plus. C'est ça qu'on veut.
Alors y'a qui là? On va invoquer lui au pire. Mais non, mais Lethal Bankai, ça marchait pas. Okay, attention, parce que Jürgen a l'air violent. Jürgen, il a l'air d'en avoir plein le cul lui aussi. Hein. Je pense que il est vénère. J'aime. Bon, c'est parti les mecs. On n'a pas que ça à foutre. Est-ce qu'on a un enfoiros de boss à qui péter le cul? Pourquoi j'ai fait ça? Je vais quand même prendre une fiole au cas où. Ok. Heureusement que les boss sont plus puissants. Ok, c'est à moi de tanker maintenant. Il est bientôt mort sans Foros. Sacros, putain, mais je suis une merde, il est mort là. Oh, wouah, sérieux. Ils l'ont défié en même temps. Est-ce que ça passe? Est-ce qu'il est mort du coup? Fuck. God, sérieux. J'aurais dû boire une astuce en fait au lieu de faire n'importe quoi. J'aurais peut-être pu survivre. Putain. Ah les enculés. J'ai pas réussi à m'en aller assez vite en fait. J'ai utilisé trop de... Oh. Please. Allez, on va devoir réutiliser une effigie. Ah là, c'est violent. Je me suis fait troll. J'étais bloqué dans le coin, du coup, je pouvais pas aller assez loin, en fait. Et j'ai pas pu esquiver sa putain d'explosion, quoi. Eh, mais les mecs ont disparu, là. Tellement j'ai été mauvais que je suis mort trop de fois, les mecs ont disparu. Non, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a plus rien? Y'a plus aucun monstre ici?
Oui, c'est pas épique si je suis pas le boss, quoi. Le problème, c'est que je fais office de bon tank, mais... Là, j'ai fait de la merde sur la fin. J'aurais dû garder... J'ai voulu le buter trop vite, et j'ai fait la merde. Voilà, c'est tout. J'ai juste voulu aller trop vite. Pensant qu'on pourrait le finir, et... Et du coup, c'est pas cool. Il a eu un mauvais pattern, et voilà. Donc, c'est de la merde. Je sais pas si les mecs, eux, du coup, ont réussi leur quête... Pour la peine ou pas. Je sais pas comment ça s'est passé pour eux. Toujours est-il que j'ai pas de signe. Putain, là on avait enfin un putain de mage en plus. Qui pouvait être vraiment utile. C'est un peu triste. Hein. Ah, j'ai plus de... J'ai plus d'endurance, fuck. Mais la caméra, putain! La caméra, quoi! S'il vous plaît, caméra de merde. Et du coup j'active un autre mec qui est sorti de nulle part. Tire dessus de je ne sais trop où. Mon dieu, la caméra qui bouge en même temps que votre joystick, c'est juste affreux. T'auras pas le temps de sortir ton épée mon salaud. Ah si, t'as eu le temps. Va te faire foutre. Il y en a un qui est bloqué en bas. Qu'est-ce qui branle lui? Regardez-le là. Benawak, j'ai reçu le casque du capitaine de je sais pas quoi. Casque de chevalier, il y a eu le casque de capitaine d'Alone. Pas très puissant. Ça fait gagner pas mal de poids. Ah mais à deux, on va pas faire grand chose. Hein. Allez. Donc là on pourra enfin passer outre ce saloperie de boss. Oh putain, j'ai failli tomber dans le... Ah, c'est un prêtre, c'est intéressant. C'est bon, il est prêt. Il a pas l'air de bouger le Zask. Mais what? Je l'avais. Je croyais que je l'avais en. Mon dieu.
Passe pas à côté, toi. Putain, il te fait one shot, ce con. Putain, il est violent, le boss. Bon, je vais devoir me le terminer tout seul, les mecs. Alors viens prendre mon estu si tu veux bien, enfoiré. Putain. Et je me tape vraiment des mecs qui servent à rien, il y avait que ce magicien qui était bien, quoi. God. On va jamais y arriver, c'est pas possible. Il y a quasiment aucun moment où vous pouvez prendre votre fiole d'estus avec lui. C'est genre le seul moment où il tombe par terre comme ça, c'est le seul moment. Ah mais je vais vraiment utiliser toutes mes humanités là, c'est la merde. Donnez-moi des vrais alliés s'il vous plaît. Mais je veux pas le skipper, je veux le tuer. Je veux pas m'amuser à skipper des boss, c'est pas intéressant. Il y a plus personne ici déjà. Il y a vraiment plus personne sur le chemin, hein, plus du tout, du tout. Ouah, c'est violent, hein. Je suis mort tellement de fois qu'il n'y a plus rien. Il n'y en a même plus un ici. Ça se trouve, il n'y a même plus là. S'il y a encore l'archer. Bah oui, mais c'est bien si j'ai le feu. Non, mais je le fais pour le challenge, surtout j'ai envie de le battre, j'ai pas envie de... Oh, il n'y a plus de marque d'invocation maintenant. Ah, il y a Skugan. J'invoque Skugan. Mais non, quelqu'un d'autre, on est déjà servi aussi. C'est pas possible. Je crois que je vais faire des coupures au montage, en fait, de cet épisode, parce que sinon ça va vous faire chier. Ah, ils disent bien qu'il faut des spectres nécessaires, quoi. Il faut être à plusieurs. C'est pour ça qu'ils disent spectres nécessaires. J'avoue que c'est vrai un peu.
Sinon, tu galères un peu. Hey, y a un truc là-bas. On peut sauter ici. Je tente. Ah! Petit secret. Une épée à deux mains. C'est pourri. Ça me servirait quoi de sauter en fait? Non, mais fuck you! Game de merde! Caméra qui se tourne trop mal, quoi! Putain, j'aurais jamais dû tomber dans la lave! Tu caméra, quoi! Putain, dame! Ouais, je veux bien me faire invoquer, mais le problème c'est que je vais me le taper deux fois, donc je le ferai quand j'aurai vraiment plus rien d'autre pour me faire invoquer. Je le ferai quand je serai vraiment avec plus beaucoup d'âme en fait. Enfin, plus beaucoup d'effigies, tout ça. Ok, là j'aurai peut-être quelque chose là. Je ferai ça à l'occasion, mais pas ici. Ici, en plus, vous avez trop de chance que le mec qui va vous invoquer, il va crever, quoi. Là, il aura une putain de chevalière, quoi. Qu'il a fait, il est parti tuer un mec de l'autre côté. L'autre c'est un prêtre mais il a pas de sort ou quoi? Non, il les garde pour le boss. Ce viol. Ce viol. Ah, il va me filer un autre objet de son set, j'ai l'impression. Grande flèche destructrice. Bon, on va être que... Ah, mais attendez, il y a mes âmes là-bas. Mais si c'est pas grand-chose, ça reste toujours des âmes. Ils sont sérieux, ils savent pas qui fait ça. Une...
non plus, c'est pas. Putain. Il en prend plus de dommages qu'il en fait au boss, mais bon, c'est pas grave. Ok, ça a l'air de passer là. On va peut-être s'en sortir. Je prends juste une fiole au cas où, hein. Je suis full donc. Ok, ça devrait passer là. Yes! Youhou! Du coup, j'ai reçu une médaille solaire. De cool aussi. Mon dieu, quelle merde. Non, c'est pas l'heure de crever non plus. Un peu droit devant. Heureusement, j'ai envie de dire. Heureusement. Voilà, en tout cas, c'est ici que s'arrêtera cet épisode. Le live continue sans doute. Attendez. Merde, ça doit être un piège ou quelque chose. Quand même pas. Bouclier porcin. Qu'est-ce que c'est que ce bouclier porcin? Il a l'air marrant, ce bouclier porcin. Il a pas l'air très puissant, par contre. Il a l'air un peu merdique, en fait. On va juste regarder la tête qu'il a. Ah, il a l'air merdique ce bouclier. Attendez, je suis en train de regarder un truc. Celui-là, il m'a l'air mieux que mon bouclier de... Que mon bouclier là. Je perds contre la magie, contre l'électricité. Mais c'est quasiment rien comparé à ce que je gagne dans les autres trucs. Vu que j'ai assez de place maintenant, vu que j'ai pas le gros espadon, ça passe mieux. Ok, donc cet épisode va s'arrêter là pour la rediffusion. J'espère que vous aurez apprécié tout ça. Malgré la peine que je me suis donné à buter ce boss. Et donc, n'hésitez pas à laisser des pouces vers des commentaires comme d'hab. Et à partager cette vidéo. Et pour les autres, le live continue tout de suite. Et j'ai le droit à un petit out of range avant de partir, bien entendu.